Alors là, je veux rentrer. Je suis au 112 avenue de Versailles et j'aimerais rentrer à Antony. J'ai 24 minutes et 20 km. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que j'y vais sans recharger? C'est vraiment la grande question. Il me reste ça de jauge. Nous sommes au kilomètre 1003 et je suis assez joueur. Bah écoutez, on va tenter le coup. Alors là, nous sommes avenue Édouard Vaillant. Je regarde, je ne sais pas pourquoi la jauge. On est à 1000 quelques kilomètres. J'ai l'appréhension, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est la montée de la pente de Meudon. Là, on l'a descendue. Là, on va la monter. Est-ce que la batterie va être suffisante pour monter Meudon et arriver à bon port à Antony? J'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Mais il faut savoir que si j'ai plus de batterie, là on peut pas faire le plein avec un bidon, c'est la dépanneuse assurée. Donc on va prendre le risque, on va bien voir. Là il nous reste 15 minutes de trajet, on arrive à 16h21. Bon bah là on est à la fin de Boulogne-Billancourt, on va attaquer le pont de Sèvres et. Bon là on est à la fin de Boulogne-Billancourt, on va attaquer le pont de Sèvres et donc la montée de Meudon par la nationale 118. Là, on est sur le pont de Sèvres, on est en train de suivre une outille. Et là, c'est limité à 70. Alors, on attaque la pente. Là, on est en pleine montée. Et là, on a du couple, je vous dis pas. Alors là, vraiment, la montée en voiture électrique, là, on entend le moteur, on essaie de jouer les vitesses, etc. Là, on respecte les limitations, je vous rassure, on est à 90. On suit une Audi qui, bon, bah, elle est derrière les autres voitures. Et juste derrière nous, il y a une BMW. Et là, franchement, la montée de pente sans peine. Je surveille la jauge, mais franchement, je suis assez serein. On va arriver à bon port sans trop d'inquiétude. Là, je me suis amusé à faire une petite pointe. Là, franchement, je n'ai pas d'inquiétude. Là, on est au croisement de la 118 et de la 86, enfin la A286. On est au niveau de Vélizy, le centre commercial de Vélizy. La jauge est encore bonne. Tranquille. Je dois avouer que je ne suis pas raisonnable, j'adore doubler les Audi. Alors là, nous arrivons sur Antony. Nous sommes sortis de la 986. On est encore à 3 minutes. Bon, ben là, on est dans la ville d'Antony. On est à 3 minutes de l'arrivée. Bon, j'ai doublé quelques Audi. C'était juste pour s'amuser. Voir la gueule qu'il faisait quand une voiture électrique les dépassait. Et là, on est à 1020 km. Eh bien, nous sommes arrivés à bon port. 1021 km. Et voilà niveau de la jauge. Et honnêtement, j'ai fait quelques dépassements accélération d'Audi, de Porsche. J'ai pas été raisonnable. La seule batterie qui tient pas bien, c'est celle de cette caméra. Là, je suis presque vide.